Donc voici la Brera qui est sortie en février 2006. Elle est en deux finitions, trois motorisations. Donc trois motorisations, dont une diesel. Donc les motorisations, on a la première en essence qui est un 2 litres 2 JTS, 4 cylindres, 185 chevaux. La deuxième, c'est le 3 litres 2 V6, 260 chevaux. Et la motorisation diesel, le 2 litres 4, 5 cylindres, 200 chevaux. En termes de finition, donc la première finition, c'est la distinctive. La distinctive, on a donc une sellerie tissu, clim automatique bizone, régulateur de vitesse, anti-brouillard avant. Ensuite, on a la sélective. La sélective qui a en plus le cuir. Pour la Brera, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie vitrée, elle est de série sur tous les véhicules. Donc c'est une partie vitrée qui est à l'extérieur. La Skyview, justement, elle a ce toit non seulement qui est vitré à l'extérieur, mais en plus de ça, à l'intérieur, il est vitré aussi. Et en termes de sellerie, elle a de l'Alcantara. Donc dans ce modèle en particulier, là on a un intérieur qui est bicolore avec un cuir rouge et une partie qui est en dessous de la planche de bord qui est en beige. Celle-ci, elle a le GPS en plus, en option. Là on retrouve aussi des jantes 17. Il faut aussi y a un ordinateur de bord avec tout ce qu'il faut savoir, l'autonomie, la consommation moyenne, consommation instantanée, vitesse moyenne, durée du voyage, etc. On a le régulateur de bord, les rétros qui sont électriques et dégivrants. En option, on peut aussi mettre les rétros rabattables électriquement. On a une zone réfrigérée dans la boîte à gants avec un thermostat. Voilà, donc les Brera, toutes les motorisations sont en boîte 6 vitesses, ce qui permet quand même de garder un régime assez correct sur autoroute ou à vitesse où on est à 130.